La semaine de la créativité, c'est un programme pédagogique dédié à 450 étudiants, ingénieurs et managers. Et durant cette semaine, ils vont découvrir différentes méthodes de créativité au travers des ateliers du travail de groupe. Je suis Fabien Bazet, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Mines-Télécom Business School et titulaire de la chaire Inventivité Digitale. La chaire Inventivité Digitale est une chaire qui est dédiée à la créativité numérique, qui est portée par l'Institut Mines-Télécom Business School en partenariat avec Télécom Sud Paris, l'ESAT de Reims qui est une école de design, et qui est soutenue par Davidson Consulting ainsi que par la fondation Mines-Télécom, Siana et Le Cube qui sont deux centres de créativité d'art numérique. La semaine de la créativité a pour objectif de sortir les étudiants de leur cadre habituel, leur façon de penser, leur façon de travailler, et l'intérêt principal c'est de les aider à développer leurs imaginaires et leur créativité. Alors cette année, les étudiants ont travailler sur un thème général et partagé qui était les intelligences numériques, intelligence artificielle. L'idée c'était aussi qu'à travers cette semaine-là, ils puissent aller décortiquer ce sujet, ce buzzword dont on parle beaucoup et finalement dont on ne connaît pas très bien les contours, le périmètre. Cette année, la semaine de la créativité repose sur une méthodologie qui s'appelle le design fiction. La première étape, c'est d'inventer un monde imaginaire qui repose sur la science-fiction. Une fois qu'on a ce monde un peu prospectif, de poser un problème dans ce monde et puis après d'inventer un produit, un service, de le prototyper et ensuite de le raconter, de le mettre en récit. La semaine de la créativité se déroule sur 5 jours pour 450 étudiants ingénieurs et managers et une centaine d'intervenants. On a à peu près 50 masterclass qui se déroulent, 2 ou 3 expositions chaque année, donc qui varient. Et cette année, on a fait un partenariat un peu particulier avec le CIM, qui est le campus de l'innovation managériale, qui pendant 2 jours, de manière hybride, diffusait pendant 24 heures une réflexion sur les nouvelles façons de manager, d'innover en entreprise. Et là, c'était à peu près une cinquantaine d'intervenants auxquels les étudiants avaient accès gratuitement pendant toute leur semaine de la créativité.